C'est dans l'Aveyron, en Trail-sur-Truyère, que l'on se retrouve pour la finale du Trophée de France des classiques de moto-trial 2023, avec pas moins de 300 pilotes engagés ce week-end de 10 nationalités différentes. Et parmi eux, des pilotes très talentueux, mais aussi des célébrités des sports mécaniques, avec notamment un vainqueur du Dakar en catégorie auto, un champion du monde de moto-trial, mais encore un vice-champion du monde d'enduro. Et ce que je vous propose, c'est qu'on aille dès cette première journée les rencontrer au cœur des Gorges de la Truyère. L'ambiance est top. C'est ma première expérience et elle est bonne. Elle est vraiment géniale. Là, on se régale. En plus, le soleil, enfin, le beau temps se lève, arrive, il n'y a plus de pluie. Pour l'instant, c'est tranquille. Je reprends un peu parce que ça fait longtemps que j'en avais fait, mais c'est sympa, ça change. Je suis venu, moi, que pour la Ligo. On m'a filé un truc, il m'a dit ici, il faut que tu fais les 3 jours de la Truyère. Je vais pas manger la Ligo.